C'est un taxon souvent appelé dans la cuisine. Le fruit piment et du genre capsicum est très prisé pour ses qualités alimentaires et aromatiques. Le piment se cultive dans au moins 64 pays, l'Inde produisant à elle seule 38,7% au plan mondial. Au Bénin, le fruit est également cultivé. En ce moment, c'est de Malanville que vient le produit. À la Malanville, les gens appellent à 7000 à Malanville. Le camion, là, il m'apprend tous les dépenses, là, mais ça arrive ici là à 11 000. Et maintenant, ici, je vends ça à 13 000. C'est de Malanville que vient le produit. C'est depuis novembre que le piment vient de cette ville et nous en distribuons jusqu'en mars. Et ensuite, de mars jusqu'en juillet, nous achetons le piment de Pujougou. C'est ensuite le tour de Malanville de juillet à novembre. Nous vendons le sac maintenant à 15 000 francs. Avant, c'était à 25 000 ou 27 000 francs CFA. C'était en début de la récolte et les clients venaient de Lomé. Mais depuis décembre, ils ont eu également à récolter le piment dans leur pays. Donc, nous avons été obligés de revoir le prix à la baisse. Les vendeurs de piment au marché d'Antokpa ne sont pas sans difficulté. Leur principal problème, le manque de bénéfices. Là, souvent, là-bas, ça augmente, ça diminue. Au lieu qu'on prend ça dans la brousse pour amener ça à Maraville. Tu as vu, en tout cas, là, on en prend ça dans le véhicule là, pour amener à Maraville. Et on prend la Maraville là, pour mener ça à Cotonou. Souvent aussi, les policiers là, nous dérangent. Souvent, ils ne nous dérangent pas. Si on amenait ici aussi, le camion aussi, le transport de camion là, c'est cher. Transport de camion là, c'est 2000. Voilà, c'est 1000 francs. Et maintenant, ça a venu 2000. Tu as vu? Souvent, maintenant, là, quand on vient ici, là, devant on trouve le marché, devant on ne trouve pas le marché. Le piment vient de Malanville. Avant, le transport coûtait 1000 francs le sac. Mais aujourd'hui, c'est à 2500 francs. Et les grossistes, une fois à Cotonou, nous revendent le piment très cher. Avant, on faisait beaucoup de bénéfices avec ce commerce. Mais en ce moment, on ne gagne plus rien. Pour régler ce problème, ces hommes et femmes font des propositions. Maintenant, on va dire que le président là, il est en train de nous aider à cause des transports là. Ce transport là qui est augmenté quoi. C'est à cause de ça le piment là, on ne trouve pas bénéfice dedans. Avant là, le sac là, on amène ça à 1000 francs, 1500. Maintenant là, c'est 2000 dans l'année là. C'est cher. Le transport là, c'est cher. Tu as vu? C'est ça. Avant, là, si on amenait le piment, là, on trouve bénéfice. Maintenant, on ne trouve pas bénéfice. À cause de le transport, là, c'est cher. Les épices et notamment les piments forts sont excellents pour la circulation sanguine car ils dilatent les vaisseaux sanguins. Manger du piment est ainsi le meilleur moyen pour faire chuter rapidement la pression artérielle.